La vie de l'entreprise est paralysée. Si chacun à son échelon n'a qu'une seule et unique obsession, qui est d'avoir un parapluie ouvert au-dessus de lui. Et donc il y a aussi la nécessité, par moment, d'aller vite, de prendre des décisions, d'avoir la capacité de piloter l'entreprise. Et ça, ça veut dire se mettre en risque. Oui, je ne voudrais pas que l'on donne le sentiment à nos auditeurs qu'il y a un débat sur la question de savoir s'il doit y avoir ou pas d'exemplarité de la part des dirigeants. Il doit y avoir une exemplarité. Il n'y a pas de leadership sans exemplarité. Il y a de la part des dirigeants, qu'ils soient d'entreprises publiques, de grands groupes ou pas de grands groupes, il y a de la part de chaque chef d'entreprise la nécessité, dans l'ensemble des responsabilités qu'il accepte, de savoir que l'exemplarité fait partie de sa vie de chef d'entreprise. Oui, mais ce qui est important de savoir, c'est que quand il y a entorse à cette exemplarité, La question est de savoir quel est l'élément déterminant sur le fait qu'il y ait eu entorse, mais ouais. Dans les éléments d'exemplarité, il y a aussi la nécessité d'être exemplaire dans le fait d'être capable de prendre des risques. La vie de l'entreprise est paralysée. Si chacun à son échelon n'a qu'une seule et unique obsession, qui est d'avoir un parapluie ouvert au-dessus de lui. Et donc, il y a aussi la nécessité, par moment, d'aller vite, de prendre des décisions, d'avoir la capacité de piloter l'entreprise. Et ça, ça veut dire se mettre en risque. Or, je voudrais le redire, on est dans un pays qui a, pour sortir un peu de son carcan juridique, est en train de débattre d'une loi sur le droit à l'erreur, parce que l'on sait que dans notre pays, trébucher sur un texte, sur n'importe quel texte, ça fait partie de la vie quotidienne des chefs d'entreprise. On ne peut pas rendre leur vie impossible. Et si on a à la tête des entreprises que des gens qui ouvrent des parapluies, c'est la fin aussi de l'exemplarité des dirigeants.